أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va continuer à voir les racines carrées. On a vu l'autre fois racine carrée de A au carré est égale à A. Par exemple, racine de 7 au carré est égale à 7. Racine de 3 au carré est égale à 3. Voilà. Alors pourquoi, par exemple, on va prendre une autre propriété qui est racine carrée de A au carré est égale à A. Si A est positif, si A est un réel positif, hein, si A est positif. Donc, et si A est négatif, racine de A au carré aussi est égale à A. Par exemple, racine de moins 5 au carré, elle est égale à 5 et non pas moins 5. Là, nous avons moins 5 au carré est positif. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Là, voilà. Alors, si je prends un nombre positif, alors racine carrée de A au carré est égale à racine de A. Le tout au carré est égal à A. Voilà la formule. Mais avec A positif. A positif. Voilà. Donc, nous prenons maintenant quelques exemples. Alors, je prends racine de 2 fois racine de 2. À quoi est égale? Elle est égale à racine de 2 au carré. Et racine de 2 au carré, c'est 2. Voilà. Ou bien, j'écris racine de 2 fois racine de 2 est égal à racine de 4. Et racine de 4, c'est 2. Donc, il vaut mieux faire appliquer cette règle-là. C'est mieux. Voilà. Alors, je prends quelques exemples. Racine de 2 fois racine de 3 fois racine de 2 fois racine de 3. Comment on va calculer ça? Tout simplement. Alors, pour calculer ce produit-là, on va prendre, nous avons deux racines de 2, hein, racine de 2 et racine de 2. C'est racine de 2 au carré. Fois racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Elle est égale à 2 fois 3. Est égal à 6. Voilà le résultat. Je prends un autre exemple. Racine de 5 fois racine de 2 fois racine de 5 fois racine de 3 fois racine de 2 égale. Alors, je remarque, nous avons deux racines de 5, hein, racine de 5 fois racine de 5. Donc, c'est racine de 5 au carré fois racine de 2 et racine de 2, c'est racine de 2 au carré. Fois, il me reste racine de 3 qui est tout seul, on va le garder. Est égal, racine de 2 au carré, c'est 5, fois racine de 2 au carré, c'est 2, fois racine de 3, égale à 10 racine de 3. Voilà le résultat final. Bon. On va appliquer ça. Avec, en général, par exemple, si je prends racine de A fois racine de B fois racine de A fois racine de C fois racine de B. Alors, A et B sont des nombres positifs. La condition, il faut que le A, B et C soient positifs. Donc, égal. Nous avons racine de A et racine de A, c'est racine de A au carré. Fois racine de B fois racine de B, c'est racine de B au carré. Fois racine de C. Nous avons un seul racine de C, donc il reste le même. Racine de A au carré, c'est A. Fois racine de B au carré, c'est B, fois racine de C. Il est égal à B, A fois B,
fois C est égal à AB racine de C. Voilà, de C. Voilà le résultat de cet exercice. On va voir maintenant, par exemple, si on a racine de A au carré fois racine de B à la puissance 4 fois C à la puissance 6 égale. Alors, on remarque que nous avons ici à l'intérieur des carrés. A au carré, c'est un carré. B à la puissance 4, c'est un carré. C à la puissance 6, c'est un carré. Tout nombre qui a l'exposant pair est un carré. Donc, A au carré, c'est le carré de quoi? De A. Je mets A. Le carré de B4, c'est le carré de quoi? De B au carré. Je peux l'écrire B au carré, le tout au carré. Là, nous avons A au carré, B au carré, le tout au carré, fois C, là, C à la puissance 6, c'est le carré de C3 au carré. Ou plutôt, oui, C à la puissance 3 au carré. Donc, nous avons 3 carrés, là. Il est égal à racine carrée de, on peut mettre A, B au carré, C à la puissance 3, le tout au carré. On applique la règle A à la puissance M fois B à la puissance M fois C à la puissance M. Elle est égale à A, B, C, le tout à la puissance M. Voilà pour la règle qu'on a appliquée. Maintenant, elle est égale, alors à condition bien sûr que A, B et C soient positifs. Donc, puisqu'on a au carré racine de x au carré est égal à x. Donc, je supprime la racine carrée et le carré, ça devient A, B au carré, C à la puissance 3. Voilà le résultat de cette expression. Maintenant, si nous avons par exemple racine carrée de A à la puissance 5 fois B à la puissance 4 fois C à la puissance 7 avec A, B, C des nombres positifs. À quoi est égal ça? Bon, on va extraire des carrés A5, on va la décomposer en A4 fois A. Voilà, j'ai pris un carré dans la décomposition de A5. A à la puissance 4 fois B à la puissance 4, c'est un carré, on le garde. Et puis A, C à la puissance 7, c'est C à la puissance 6 fois C. Alors, je groupe les carrés. Nous avons racine carrée de A4, B4 et C6 fois A fois C. Voilà. Alors, maintenant, les carrés ici, on va transformer ce produit en un seul carré. C'est-à-dire qu'on a A4, c'est le carré de A carré, B4, c'est le carré de B carré, et C6, c'est le carré de C3. Donc, le tout au carré. Voilà. A fois AC. A est égal. Là, nous avons un carré et des nombres qui sont positifs, bien sûr. Donc, à quoi est égal? Donc, elle est égale à racine carrée de A carré, B carré, C3, au carré, fois racine de AC. Voilà, elle est égale. Alors là, puisque c'est un carré, elle est égale à A carré, B carré, C3, racine de AC. Voilà le résultat final, A carré, B carré, C3, racine de AC. Donc, c'est ça le résultat. Voilà pour cette séance. À bientôt.
on fera d'autres séances. Ça, c'est la séance 3.